dépenses autres pour l'entretien de l'hiver. Donc, les deux au total donnaient 433 595. Mais de ce montant-là, on retranche 219 425 en subvention. Qui propose? Madame Mélanie Hott. Est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. Le point 7.6. Embauche le directeur du service d'urbanisme et de l'environnement. Donc, suivant le départ de M. Daniel Landry, directeur du service de l'urbanisme, il y a un affichage de poste qui a été fait, la rencontre a été faite, et M. Martin Sirois, qui va débuter avec nous, si rien ne change, devrait être en poste à partir du 16 mai 2020. C'est un homme d'expérience dans le domaine municipal, alors je pense qu'on change un peu fort, on perd notre route, je pense qu'on repart pas mal du pompier, suivant le départ de M. Landry. Qui propose ça pour M. Michel Forget? Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, adopté à l'unanimité. Côté finance, le point 7.3.2.1, remplacement du serveur informatique. Notre serveur datant de 2016. Technologie évolue avec l'usure se faisant. Les pièces ne sont plus accessibles selon Internet Papineau. On propose donc fortement de changer notre serveur. Le tout pour un montant de 13 687,21 plus taxes applicables. Qui propose? Je propose. C'est Véronique. Madame Fillon. Est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. Le point 7.3.2.2. Construction de la nouvelle mairie, c'est un avenant pour la modification aux plans et devis. En fait, quand toute nouvelle construction, pour des raisons, il y a des modifications, il y a des attaché à ça. Et là, c'est un coût de 4 458 et 5 sous plus taxes applicables. Qui propose? Madame Sophie Lamoureux, est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 7.3.2.3, construction de la nouvelle caserne, aussi un avenant de modification place de vie. C'est un montant supplémentaire, donc de 457 $ et 35 plus taxes applicables. Qui propose? Quelqu'un est contre? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Côté sécurité incendie, donc, c'est de dépôt du rapport mensuel du directeur de sécurité incendie. Au Saint-André-Avrin, on parle de 10 sorties, dont 7 pour des accidents à l'incarcération. Et pour Saint-Cyr, c'est 2 sorties pour des fils au sol. Ensuite de ça, urbanisme, on a raison, comme je vous mentionnais tantôt, le point 7.5.1 est retiré. Et le point 7.5.2 qui est le dépôt du procès verbal du comité consultatif en environnement. Suivi du point 7.5.3, étant donné que c'est un dépôt, on n'a pas besoin de demander quelqu'un pour le procès. Le point 7.5.3, c'est les demandes du PIA en 52 principales, qui est le Part West, et je laisse la parole à Mme. C'est le CarQuest qui demande de faire des rénovations à son enceinte principale au devant. Et puis le comité de consultatif, le CCU, comité consultatif en urbanisme. Je vais finir par être bonne. Suggère à la municipalité, au conseil d'approuver la demande de changement au niveau de la façade du bâtiment, de la bande d'aluminium qui va être dans les teintes de bleu du logo de CarQuest, et puis que la bande d'aluminium au bas qui est peinte rouge devienne gris foncé comme le carbone là, qui est dans le bas du CarQuest pour s'agencer, pour que ça fasse comme une ombre. C'est ce qui a été suggéré au conseil. Merci beaucoup. Alors, donc, le CCU demande de vous expliquer. Je propose. Je propose. Monsieur Marc Lemay, est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. Dans les temps publics, donc, le point 761. Un ordre de service pour les surveillances de travaux de reconstruction d'un poseau du domaine Valdi. C'est donc la firme Diamètre Expert, conseil incorporé, qui va avoir le contrat de surveillance des travaux pour un montant de
votre chambre. Est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 7.6.1.2, embauche de chauffeur opérateur. Donc, souvent, le départ d'un des chauffeurs opérateurs, il y avait un poste qui était libre et suivant l'affichage. Nous avons M. Jérôme Contois qui accepte de venir travailler avec nous. En fait, il a postulé, il a passé donc l'entrevue et il est déjà en poste. On entérine donc son embauche. Qui propose? M. Michel Forgette. Est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. Le point 7.6.2.1. En hygiène du milieu, c'est une mise à niveau des étangs aérés. Donc, nos étangs sont à faire une mise à niveau dans le sens que nous approchons tranquillement du nombre de portes totales pouvant être acceptées dans nos étangs aérés. Nous allons embaucher donc une firme pour nous donner des solutions possibles pour augmenter le nombre de portes sans même bâtir un quatrième bassin. C'est pas probable que dans la solution, vous posez qu'il y a un quatrième bassin, mais il y a peut-être d'autres solutions avant d'en arriver là. Donc, c'est un montant de 20 100 $ plus taxes applicables pour faire les travaux. Qui propose? Madame Sophie Lamoureux. Est-ce que quelqu'un est d'accord? J'ai adopté à l'unanimité. Le point 7.6.2.2. Mandat pour la mise à niveau du poste de pompage. Ici, on parle du poste de pompage sur la rue Saint-André, juste passé le CLC quand on arrive dans le creux, là, avant la rue Neptune, Saturne et Vénus. Il y a donc un poste de pompage à l'extrême gauche. Donc, c'est une mise à niveau de ce poste-là par la firme Solicios au montant de 24 750 $. Qui propose? Est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté. En loisir, abolition de postes, donc il y a deux postes qui sont abolis. Les postes, je vais juste trouver le terme exact, poste ouvrier et journalier surveillant. Donc, c'est deux postes que la municipalité n'a plus, est plus nécessaire pour la municipalité. Une de ces deux personnes-là est déjà, s'est trouvé déjà d'ailleurs un emploi dans une autre municipalité. Qui propose? Madame Mélanie, est-ce qu'il y a des comptes? Adopté à l'unanimité. 772, affichage de poste journalier manœuvre au service de l'animation culturelle, des loisirs et des sports. Donc, c'est affichage de poste pour combler les postes qui ont été occupés. Qui propose? Je propose. C'est adopté à l'unanimité. Le point 7.7.3. Ouverture et fermeture de l'aréna Stéphane Richer, saison 2022-2023. Donc, on propose donc, on va adopter en fait une ouverture le 17 septembre 2022 et une fermeture le 2 avril 2023. On adopte tout de suite pour que le hockey mineur, entre autres, puisse organiser leur joute de la rentrée de l'année qui s'en vient. Est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. Et finalement, on arrive au Varia. Je pense que le Varia, on avait quelqu'un et de quoi discuter. On arrive à la deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Mon nom, c'est Guy-Louis Poncelet. Je viens reparler du pont. Poncelet, c'est sa rime avec petit pont. Hein? J'aimerais bien savoir à peu près la date, quand est-ce que le pont va être construit. Et alors, quand est-ce que le pont qui est sur la rue Lantier, comment ça va se passer? Parce que moi, je reste pas très loin de là. J'aimerais bien savoir s'il y aura des gros camions qui vont descendre, qui vont passer le pont. Je vais vous répondre sous toute réserve, parce que c'est un dossier du ministère des Transports. Est-ce qu'on nous a dit, là je répète ce qu'on nous a dit, sous toute réserve, je tiens à spécifier, le contrat pour le pont temporaire a été accordé. Oui. Par contre, pas pour le pont à remplacer. Est-ce que les gros camions vont passer sur le pont temporaire? Oui.
en alternance, ça devrait être le même concept qu'il y avait pour le pont du portail. Pour la date, j'ai aucune date. On sait qu'on peut voir que les travaux avancent tranquillement parce qu'ils ont terminé au moins la section Hydro-Québec oui. pour la ligne qui ne passera plus au-dessus du nouveau pont. Il reste tout l'aspect communication, les fils de communication. Puis, bon, c'est comme d'autres choses. Dans d'autres municipalités, on a notre tuyau principal, l'aqueduc, qui passe en dessous du pont. Mais j'ai vraiment pas de date. J'aimerais bien ça avoir des dates. Mais... OK. Ben. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci. Bonjour, mon nom est Claude Sabourin. Je viens ici pour, premièrement, vous remercier pour le micro. C'est excellent. Ça donne la chance aux gens de pouvoir s'exprimer et des gens aussi à l'extérieur de pouvoir entendre les commentaires ou les questions des gens ou apprendre plus sur la municipalité. Excusez-moi, c'est pas ça de te rapprocher, hein? OK, oui. Je pensais que je parlais trop fort, c'est pour ça que je me suis réveillé. Je suis un peu déçu pour la pétition de Quatre-Roues parce que c'est l'envers du plaisir que les gens ont avec les VTT. Pour quelqu'un qui part de Plaisance avec son VTT, qui passe au travers durant Saint-Louis et qui se rend jusqu'à Saint-André, c'est merveilleux. Pour les gens qui restent dans le Grand Saint-Louis, c'est une autre histoire. Les VTT ont été multipliés par 4 depuis les dernières années. Tout le monde en veut des VTT, tout le monde va aller faire du VTT. Donc chez moi, j'ai plus de VTT qu'avant. Le 28 décembre 2020, j'ai failli me faire écraser par des VTT. Et ça, j'ai venu ici porter plainte et c'est comme on m'a renvoyé au gars qui était assis juste au côté du micro qui est intervenu M. Batte la dernière fois. Chandail rouge, là. Monsieur, on m'a dit que c'était le président. C'est lui, le monsieur qui était à côté, il a intervenu, il a dit « Nous, on n'a pas eu de plainte. » C'est tout ce qu'il a dit là, qui a resté surpris. Ça, c'est peut-être dans les procédures et je pense que tu as bien spécifié au début que les gens qui parlent, à leur tour et non pas interrompre les gens qui parlent. Ça, c'est juste ça, là, c'est pas plus que ça. Pour les ponçons, vous parlez de ponçons, ceux du Rang Saint-Louis, ils sont vraiment désastreux, OK? Moi, là, j'ai revenu avec ma petite fille de Plaisance, et j'ai passé pas loin de chez moi. Celui-là n'avait jamais été dangereux jusqu'à cette année. Il a vraiment descendu de 8 à 10 pouces. Moi, j'ai passé de côté, et je peux vous dire que j'avais une caisse de bière en arrière vide. Ma petite fille était sur son siège et quand je l'ai pris un petit peu de travers, mes 4 roues étaient à 20 heures, la caisse de bière, puis j'ai passé même pas 50 km/h. J'ai juste passé dans le mauvais endroit. Mais elle descend. Et pire encore que celle qui était entre Michel et monsieur. Elle était pire cette année qu'entre Michel et l'autre. C'est vraiment dangereux, là. Vous avez mis 2 petites pancartes chaque bord, mais ça aurait dû être rempli de sable, comme dans l'eau. Parce que moi, j'ai vraiment eu peur, puis je suis pas le seul. J'ai parlé avec des gens. Je passe devant chez moi et cette année, il était plus dangereux que n'importe quelle autre année. Les 3 ponçons, celui qui est là et les 2 autres, qui étaient pas loin de Michel, ça fait à peu près 15 ans qu'on met un demi-voyage de Crochetombe dedans. Je ne sais pas combien de temps qu'il n'a pas été refait ce bout-là entre Michel et M. Poigny, l'ancien, mais ça fait longtemps que ça n'a pas été fait et ça devrait être refait. Ces 2 sections-là, on le reporte d'année en année, en année, en année. J'ai vu que ton 3 ans, là, tu as le Rang Saint-Louis. Je ne sais pas ce que tu as dans le Rang Saint-Louis, mais à 185 000, je pense que c'est passé. Pour refaire, il faut que les 2 ponts, tous les ponçons qui sont là, les 3, soient refaits. Puis l'autre, pourtant, on l'a refait et qu'on a refait l'asphalte. Mais cette année, il descendait un peu avant, mais là, il a descendu de 8 à 10 pouces. J'aurais dû le mesurer, mais c'est pas loin de ça. Il ne sait pas partout. Les gens m'ont dit que c'est mieux de le passer à 80, tu vas passer par-dessus. Que de le passer à 50 km et de prendre tous les chaos. Moi, je l'ai pris pas vite parce que j'ai ma petite fille, puis elle a monté d'un pied dans ton siège. Juste pour te donner comment c'est haut. Là. Moi, j'avais plus de contrôle sur mon volant. J'étais vraiment les 4 roues dans les airs, j'ai cassé mon essieu. Fait que juste te montrer comment c'est rendu dangereux. Là. Pour ce qui est de la route, bien ça, c'est pas pire, mais je pense que ces 3 ponçons-là, là, ils sont rendus vraiment très dangereux. C'est celui pas loin de monsieur. Là, les nouvelles maisons qui étaient à M. Poirier, juste entre les 2 sections, dans la ligne droite, ce qui n'est pas refait. Il y a 2 sections qui ont été refaites, mais les ponçons sont vraiment dangereux. Quand je dis dangereux, c'est dangereux. Il y a d'autres qui étaient plus là-dessus, puis on va demander
Mais c'est parce que, vois-tu, vu qu'ils ont mis du. Ils ont mis comme le tapis en tour, à 16 pouces, ils ont creusé. Oui. Ils ont mis un tapis. La membrane, là, la membrane, c'est ça. La membrane n'a pas, là. Il n'y en a pas, là, de membrane. La membrane commence à peu près. Ils ont commencé à faire la membrane à peu près à 600 pieds au début de mon. À partir de ce point-là, à 200 pieds du bout de mon terrain. Puis d'où qu'est la calvette. Là, il n'a pas. Fait que ça, qu'est-ce que ça fait ça. Même chose, ça craque partout. Cette année, ça a joué en profondeur, puis le rocher, il a levé. Depuis que pas loin de chez nous, qui n'avait jamais relevé depuis qu'il avait mis la membrane, là, ça a levé. L'asphalte a tout craqué, d'un bord à l'autre. Fait que c'est des réparations qui sont personnellement plus urgentes que certains autres ponceaux qui sont moins dangereux. Parce que présentement, nous-mêmes, dans le Rhin, là, le nombre de personnes qui passent dans le Rhin multiplié par 4, les voitures par 4. Pourquoi? Il y a livraison maintenant. On livre, Amazon livre, puis il passe à peu près 5 à 10 fois par jour, puis chaque compagnie passe à 5 à 10 fois. Là, on est 75 dans le Rhin, il y a du monde, fait que là, il y a du monde, ça livre partout. Deuxièmement, Google. Présentement, les gens qui font de la livraison utilisent Google. Google, c'est comme l'émission qu'il y a eu, que le gars, il était pris dans un chemin de bois, que Google a recommandé. Donc, Google recommande de passer par chez nous. Il ne passe plus par la 317, la 321, là. Il passe par, moi, je l'appelle la 319, là, c'est chez moi. Là, il y a 4 fois plus de voitures en avant. Là, on va mettre 4 fois plus de 4 roues. On va être plus, il va y avoir plus de voitures dans Saint-Louis qu'il va en avoir sur la 321. Il va y avoir plus de véhicules qui vont passer. Puis là, moi, je ne comprends pas, là. On va avoir plus de voitures là parce qu'on laisse les 4 roues. Il va en avoir 4 fois plus. Au début, moins, plus contrôlé, comme la dernière fois. Ils vont passer, ils vont avoir du contrôle, ils vont avoir des patrouilleurs. Avec le temps, les gens vont emmener des amis. Puis des amis, puis des amis. Puis là, à un moment donné, tu es rendu, tu commences avec 200, tu es rendu à 400, 600 passages par jour. C'est plus que la 321. Alors là, nous, pour plusieurs des gens qui restent à peu près même pas à 100 pieds du chemin, eux autres, c'est wow, 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 wow. Là, mais eux autres, ils viennent tanner. Tu comprends les gens durant Saint-Louis d'être tannés. Ils ont déjà plus de voitures, en plus, ils vont avoir plus de 4 roues. Les gens sont tannés. C'est sûr et certain qu'ils ne restent pas à 200. Moi, je suis chanceux. Je reste à 168 pieds du chemin. Les 4 roues, je les entends voir, je ne les entends pas en dedans. Mais moi, je connais des gens qui restent à 15 pieds du chemin. Eux autres, le zing, 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 là, ils l'entendent. Les gens, oui, ils peuvent être choqués. Mais je peux les comprendre. C'est sûr que si vous avez des 204 roues qui passent en avant de chez vous, je ne pense pas que personne ici reste dans Saint-Louis, il reste dans un des rangs qui va passer les 4 roues. On va peut-être les enregistrer puis emmener une bande sonore, on va l'envoyer à la municipalité. Moi, je comprends très bien le monsieur du président, puis le email, puis il dit oui, bravo, on s'en va dans le rang Saint-Louis. On s'en va de Plaisance jusqu'à Duhamel en passant par le rang Saint-Louis. Sauf que là, les gens qui roulent, et on a eu 6 sorties de route cette année dans le Rang Saint-Louis. Fait qu'il y en a 2 au bout de la montée, chaque bout, il y en a 2. Ah, chaque bord chez nous. Moi, ce que j'appelle le croche du serpent, là, en bas, là, qui est le même, là. Bon, il y a encore un autre cette année. Il y a 2 ans, il y en a eu un. On a encore un autre cette année qui est sorti là. On ne peut pas juste continuer à penser qu'il n'y aurait pas d'accident en mettant des 4 roues et tout ça, en triplant ou en doublant le nombre de véhicules, là. C'est impensable. Le chemin est tellement croche, il y a tellement de points morts que j'en viens pas. Qu'on puisse penser. On n'a pas fait d'études de chemin. On a juste dit, ça n'a pas d'accident, tout de suite, on y va. Mais moi, je pense qu'il va en avoir beaucoup plus. On a eu 6 sorties de route, on va avoir plus d'accidents. Puis peut-être des mortels. Il n'y a pas eu d'études des points morts. Moi, j'en connais 15. Je peux vous asseoir sur une chaise, je vais passer au côté de vous autres, vous allez sauter. Je vous jure, il y a 15 points morts dans le rang. Puis ça fait 42 ans que je suis là. Alors, je sais qu'est-ce que c'est que le danger du rang Saint-Louis. Il appelle le rang de la mort. Il n'y a pas personne de mort encore que je connaisse. À moi, Michel, t'en connais-tu, toi, qui sont morts dans le rang Saint-Louis? Je suis plus là, premièrement. Puis, dans le temps, je restais là, oui. Mais on est à 15 pieds. Mais il y a beaucoup de points morts. Puis les points morts, là,
c'est pas nécessairement que c'est la faute des quatre roues ou la faute des véhicules. Moi, j'ai évité une femme avec qui sortant de l'arrière, qui était cachée derrière dans un crotte, elle sortait pour aller donner la suce à son bébé. Alors, j'étais arrivé aux côtés, j'ai fait le crotte, j'ai vu, rendu à 10 pieds de la voiture, que j'ai fait, j'ai changé de voie. J'ai juste le temps de changer de voie. Ça, c'est ce genre de choses-là, mais qu'on double et on triple le volume, et je ne pourrais plus frapper par rien. Là. Je vais frapper une voiture à 4 roues ou n'importe quoi. C'est pas juste une question de vitesse, c'est une question de volume. Mais la vitesse, c'est, moi je considère que la vitesse n'est pas le plus gros point. C'est une question de volume, quel point. Moi, je l'ai. Du volume ou pas, si le volume est lent, on diminue le risque d'accident. Oui, d'accord, c'est vrai. Moi, je te dis que si le 4 roues qui a passé, les 4 qui s'en venaient, qui ont passé, ils n'ont même pas modéré, puis ils m'ont passé à peu près un pied. Je vous jure, là, j'ai eu la chaîne de ma vie. Si vous me permettez, tout... c'est ça pour moi, les 4 roues, là, sont supposés rouler à 30 quand même. Mais c'est pas juste les 4 roues, puis c'est parce qu'il n'y a pas de bord de route. Ils ne peuvent pas passer, il y a un pied entre l'asphalte et le trou. Moi-même, je ne pouvais même pas reculer. Je suis dans le fossé. Chez nous, il y a un pied. Fait que c'est pas juste un petit facteur, c'est tous les facteurs en ligne. Oui, c'est vrai que tu dis que diminuer la vitesse, ça pourrait réduire. Mais s'il n'y a pas de police, il n'y a rien qui passe, il n'y a pas plus de surveillance, il n'y aura pas plus. En ayant plus de volume, ils vont aller moins vite en partant. Mais c'est tous ces facteurs-là qu'il faut que tu prennes en ligne de compte quand tu arrives et tu garages quelque chose en quelque part. Moi, les VTT, j'ai rien contre. Moi, j'en ai eu un longtemps, puis je me suis promené une couple de fois sur la route, puis c'est le fun, c'est enivrant. Pas de problème, c'est pas de problème que ça. Mais j'ai un problème de volume. J'ai un problème que la route, le rang lui-même n'est pas désigné pour prendre ce volume de tous ces véhicules-là. J'ai pas rien dans les quatre roues, là. Je m'assieds et je me dis, OK. Est-ce qu'on fait la bonne chose? C'est là que je vais poser la question et c'est là qu'il va falloir que vous réfléchissez. Moi, là, je ne prendrai pas de décision. Ce n'est pas ma décision. Mais je sais que ma petite fille travaille sur le Paris pour aller prendre l'autobus. Elle a tombé deux fois cette année en s'en allant prendre l'autobus. Tu sais, elle voulait plus qu'on y aille la conduire. Elle a tombé face première. Pourquoi? Encore là, vous ne nettoyez plus la nuit. Le truck passe à 4h30. Je suis dehors, moi, je suis la fin. 4h30, il passe chez nous. Donc, vous me promets, il ne drop pas un grain de sable. Là. Il passe, il nettoie. Il va remuer, je ne sais pas où, à 5h30, 6h moins quart, il repart. Il fait juste nettoyer. Il n'y a pas de temps parce qu'il est trop grand à faire. M. Sabourin, si vous avez des plaintes à faire en lien avec le déneigement, je voulais simplement le mentionner. Il y a une technique de déneigement. Nous, en tout cas, depuis que nos employés sont là, on a énormément de félicitations en lien avec le déneigement. C'est peut-être, ça dépend où tu restes. Ça dépend où tu restes, puis ça dépend ce que tu t'attends. OK, c'est vrai. L'affaire, écoute, là, peut-être. Moi, personnellement, dans mon rang, j'ai déjà été bien mieux déneigé que ça. Le seul problème que j'ai, c'est que le soir, puis je vais dire bien franchement, le soir, rendu à 8h30, 9h10, on ne les voit plus, les camions. Moi, je ne les vois plus. Moi, je reste là jusqu'à des fois minuit dehors, puis 1h, puis je ne sais pas. Puis le nombre de neige qu'il y a là, à 4h30, il vient de déblayer. C'est pourquoi? Parce que bien souvent, ces gars-là, ce soir-là, ils sont en train de déneiger les rues dans la municipalité. Mais ça, c'est correct. C'est ça que ça fait. Mais nous, dans le rang Saint-Louis, je ne dis pas dans les autres rangs, c'est peut-être mieux, mais dans le rang Saint-Louis, qui est un rang qui connecte l'autoroute 50 à l'autre, le monde arrive tard le soir de l'autoroute 50 et ça passe chez nous. Il passe de l'autoroute 50 jusqu'à chez nous. Là. C'est pas comme le rang, je ne sais pas, moins Saint-Six ou l'autre, c'est un autre endroit. Moi, j'arrête là parce que je suis capable. Mais c'est juste que, pour ce qui est du rang lui-même, OK, un, les réparations, deux, pensez-y au volume. Parce qu'il y a des gens qui vont avoir plusieurs accidents qui s'en viennent. Parfait, je vous remercie, M. Sauvoy. Merci. D'autres questions? C'est pas pour répondre à monsieur, là. C'est que il y a 4 ans, quand je suis présenté comme conseiller, j'ai fait du porte-à-porte. Et
deux ou trois personnes dans Saint-Louis là, qui sont contre les VTT, contre tout ce qui marche à gaz. Je suis accroché avec lui, puis c'est sûr qu'il n'a pas voté pour moi. Non, c'est juste pour vous dire que c'est le syndrome de pas dans ma cour beaucoup là-dedans. Je comprends ce que vous dites, là. Il y a du trafic, oui. Mais moi, ça fait 12 ans que l'été, il part dans ma cour là, aussi, là-bas, là. Dans les Jorons. Et motoneige, je passe dans ma cour. Je dis dans ma cour parce que c'est juste sur le bord de la rue. Puis c'est des gens qui ne sont pas déplaisants. À 80%, c'est des couples. Puis, je trouve ça malheureux d'essayer de pénaliser ces gens-là. Je comprends que ce n'est peut-être pas la vraie place pour passer, mais il n'y a rien qui se fait au point de vue gouvernemental ou quoi que ce soit pour leur donner l'occasion de passer un champ ou quoi que ce soit. Puis, c'est juste pour vous dire que j'ai jamais eu de problème avec ces gens-là. Souvent, on est aidé parce qu'ils étaient en dépannage, là, puis ils se rendaient chez moi pour leur demander un coup de main. C'est pour vous dire que, déjà, oui, une motoneige, un VTT, c'était bruyant. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Puis, pour te dire que j'ai deux personnes, deux petits jeunes de 15 ans là, qui passent dans ma rue, avec qu'on a pas appelé une Zézette, là, avec un moteur de chainsaw dedans, tu sais. Ça fait du bruit. Ces deux-là, là, fatigant que 50 VTT qui va passer. Fait que c'est pour ça que je vous dis, peut-être que vous pouvez être tolérant un peu là-dessus. Moi qui arrive quand il y a VTT, je pense pas que monsieur Savourin, je vais vous demander si vous avez une question de l'adresser à l'avance. Si vous voulez, je ne suis pas pour qu'il y ait de conversation. Je ne pensais pas que les personnes sont VTT. Avez-vous une autre question? Non, c'est juste pour clarifier une situation. Parfait. Que moi, je trouve ça malheureux parce que. J'ai jamais eu de problème avec aucune personne, soit de motoneige ou de VTT. Ben, je vais me permettre un petit commentaire supplémentaire. J'ai eu un coup de téléphone cette semaine d'une personne qui demeure dans l'Arc Saint-Louis qui demandait, qui voulait justifier, s'assurer que son nom était pour sur la liste de la pétition. Elle mentionnait clairement cette personne-là que, qu'elle n'avait pas de VTT, mais qu'au contraire, la circulation de VTT dans le Rang Saint-Louis. Alors, c'est rare que ce type d'appel-là se produise, mais on a eu ce type d'appel-là cette semaine. Je dois aussi spécifier que selon la Sûreté du Québec, en fonction des discussions qu'on a de temps en temps avec eux, les fautifs, c'est généralement pas les touristes. C'est les gens locaux oui. Qui demeurent à proximité de là où ils commis l'infraction. Fait que c'est la Sûreté du Québec qui est en charge d'appliquer la réglementation et on va leur donc leur demander de faire une surveillance inclue. Merci, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai une question. Mon nom est Marianne Philippe. J'aimerais savoir pourquoi le panneau indicateur de vitesse à l'entrée du village indique pour la vitesse sur la 321 Nord. Il y a un morceau qui est en commande de mémoire. Est-ce que, il y a eu un premier morceau qui a été commandé, puis ce n'était pas le morceau qui était défectueux, ou c'était un des deux morceaux défectueux. Donc là, il y a un deuxième morceau qui est en commande, puis ça doit être la faute de la COVID, mais sans rien. Oui, sans rien. OK, parfait. Mais il va se faire réparer. Merci beaucoup. Bienvenue. C'était ma seule question. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres points. Alors, s'il n'y a pas d'autres points, nous allons procéder à la levée de l'Assemblée. Qui propose? M. Forget. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Merci. Merci beaucoup. On souhaite pouvoir vous revoir donc, à l'exposition artisanale en fin de semaine. C'est la fête des mères, donc à toutes les mamans. J'aurais dû le mentionner pendant qu'on s'est enregistré. Donc, bonne fête à tous les mamans. Laissez-vous gâter. Pas juste parce que c'est la fête des mères, mais tout au long de l'année.